Et c'est donc aujourd'hui, je vous partage une nouvelle que je retenais depuis quand même plusieurs semaines. En effet, euh, probablement que vous avez réalisé que la série Galaxy d'Acier avait été mise de côté pendant plusieurs semaines. Et bien, la raison est fort simple c'est que j'ai tout fait en mon possible pour essayer de réparer cette dernière, mais depuis une dernière mise à jour qui a été en quelque sorte forcée, c'est alors que je m'efforçais moi-même de jouer sur une vieille version, la version 3.6.1, afin justement de faire en sorte que les modes où la partie demeure justement stable et n'est pas à subir plusieurs mises à jour constamment. Mais oui, pour une raison que j'ignore, une mise à jour est en quelque sorte forcée et ça a fait en sorte de complètement corrompre la partie. A priori, le tout semblerait très stable en observant la carte, mais c'est vraiment en s'approchant davantage qu'on se rend compte que oui, il y a de gros problèmes et le problème majeur, celui qui fait en sorte de briser complètement la partie, c'est le fait qu'il n'est plus possible de coloniser certaines planètes et là si on s'intéresse justement à Vur Lands, planète rattachée au système de Cam là, c'est donc euh, pour vous rappeler à Ganisol et de ce côté-ci, c'est donc vraiment la première planète ennemie que l'on a connue. Si on s'approche de ce côté-ci, on clique à ce niveau et qu'on sélectionne cette dite planète et eh bien on voit dorénavant que cette dernière est inhabitable. Et alors qu'en réalité, on est capable d'habiter littéralement n'importe quelle planète. Et d'autre part, on voit aussi qu'il y a quand même 15 milliards d'individus sur celle-ci. Donc, si on souhaite euh, justement l'envahir, c'était carrément en fait, euh, là, je n'ai absolument rien touché, mais c'était carrément ce qui était prévu. En effet, on avait demandé à notre armée de terre de venir orbiter cette dernière pendant qu'on faisait le bombardement au-dessus. C'est donc euh, là, si on observe l'armée 148. Niveau de la garnison. Mais oui, si on essaie d'atterrir une armée, eh bien cette dernière ne peut plus puisque la planète est dorénavant jugée inhabitable. Donc, ça va complètement briser la partie, ce qui est assez dommage. C'est donc que je vais devoir euh, tout simplement annuler euh, cette série. Globalement, oui, on pourrait se dire laisse-les euh, derrière les planètes, il n'y a pas de problème, mais dans les faits, ça brise complètement le jeu. C'est donc y a une planète sur deux, voire euh, deux planètes sur trois, qui est complètement devenue euh, inhabitable. On approche une dernière de ce côté ci elle aussi est inhabitable c'est donc euh, c'est vraiment pas l'idéal donc je ne comprends pas à 100% ce qui s'est passé mais dans les faits on sabrise complètement la partie on ne pourrait pas jamais faire tomber euh, ses ennemis c'est exactement ce qui est le cas ici on a gagné militairement mais il faut faire tomber les planètes et là donc euh, ça ça serait constamment derrière nous ce qui n'est plus réaliste dans les faits euh, le but c'est de faire justement une galaxie d'acier en laissant des places comme euh, de ce côté ci ça ne fonctionne plus. Donc ça a pris deux mois quand même avant que je vous annonce le tout. C'est tout simplement parce que j'ai tout essayé pour réparer. Je n'ai pas été capable de trouver beaucoup de cas là, similaires parce que c'est quand même assez rare les gens qui jouent avec euh, justement des robots exterminateurs avec exactement les mêmes modes que moi. Pourtant j'en ai pas des tonnes. J'ai tout essayé les désinstaller, installer des nouvelles versions du jeu, euh, installer la version à jour du jeu, enlever les modes, mettre des versions rollback des modes. J'ai vraiment essayé pendant plusieurs semaines et rien ne fonctionnait. C'est donc que là, j'ai jugé le temps bon pour vous le mentionner. Malgré tout, quand même, ça a été relativement un succès, cette dite campagne. C'est donc que là, on était vraiment en train d'écraser nos ennemis. On a écrasé cette première unité. Ensuite, on est en train de complètement massacrer ces derniers. Et là, si on observe, c'est donc que euh, militairement, on les avait écrasés. Leur flotte est dorénavant pathétique. On leur aurait roulé dessus carrément. Ensuite, on aurait déclaré la guerre de ce côté-ci qui sont déjà classés inférieurs. Donc on aurait fait une seule bouchée d'eux et là, à partir de cette instance, on aurait déjà contrôlé là, une grosse partie de la galaxie. On aurait probablement été déjà considéré comme l'entité la plus puissante, du moins pour l'instant. Euh, ce n'était vraiment pas la fin de la campagne. Mais bon, minimum, je crois que j'ai fait découvrir le jeu à plusieurs. C'était quand même bien le temps que ça a duré. Ça a duré seulement 8 épisodes. Mais c'est déjà ça. J'ai bien aimé justement vous partager ces 8 épisodes. Or, en espérant que vous comprendrez, je n'ai aucune inquiétude à ce niveau-là. Mais oui, c'est complètement hors de mon contrôle. Sans quoi j'aurais sorti l'épisode 9, là, vraiment, il y a plusieurs semaines. Et là, comme il s'agit d'une série RP, pourquoi pas conclure le tout Simplement en mentionnant qu'en envahissant l'espace si. Entité complètement toxique. Et Hagan et Terran ont été atteints par un virus qui était capable de s'infiltrer carrément à l'intérieur de leur système et de se propager au travers de la Matrice, entité centrale qui les contrôlait et qui a fait en sorte de complètement corrompre leur coordination et éventuellement complètement éteindre leur volonté. Or, malgré tout, je vous encourage à aller visionner les autres séries. Euh, J'ai notamment sorti entre-temps Apocalypse 93 qui est sur Project Zomboid, complètement différent certes, mais je crois que les gens pourraient vraiment aimer ça. Si c'est le cas, cliquez sur l'écran dès maintenant. Or, on va poursuivre sur d'autres séries, il faut toujours quand même faire attention simplement là, au mode qu'on utilise. Or, à ce propos, je suis déjà impatient de vous lire. Et ceci dit, tout ce qui me reste à dire, c'est... Et voilà